Bonjour les amis, c'est Suélène, graine de magie, heureuse de vous retrouver mes chers amis Sagittaire pour votre guidance de la semaine prochaine. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la semaine du 26 avril pour vous. Bien sûr, si vous êtes ascendant, lune ou en Vénus en Sagittaire, cette vidéo est également pour vous. Et si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite quand même à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau ou pas et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Et puis pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, l'énergie principale pour les Sagittaires. On vous dit, faites ressortir votre côté yang. Alors c'est marrant, ça fait le troisième signe quand même pour lequel ça ressort ce côté masculin, ce côté de leader là. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, pardon. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Il y a quand même trois signes, si je ne dis pas de bêtises, Bélier, Lion et vous, hein, qui avaient ce côté assez fort là pour cette semaine. On vous écoute, vous obtenez ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes un leader et que les gens veulent être en votre présence, que les gens accueillent vos idées avec beaucoup d'amour, hein, et puis ils veulent vraiment faire comme vous. Vous êtes vraiment leur leader, le chef de famille. Hein. On sent qu'il y a vraiment l'envie de faire jaillir sa force intérieure. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. La loi, signe d'équilibre. Et puis bien sûr, on vous le disait dans cette carte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la parole, on vous écoute. Vous allez être vu peut-être comme quelqu'un d'important. Et regardez ce qui sort, l'homme, l'énergie yang, l'énergie masculine, l'énergie de leader qui ressort ici encore une fois, l'énergie de victoire. Là, on a un très beau tirage pour les Sagittaires. Je suis super contente parce que d'habitude, quand je fais un tirage pour les Sagittaires, c'est pas tip top. Et là, on y voit surtout quelque chose de très beau. Quelque chose où enfin, on ose évoluer, on ose prendre la parole, on ose obtenir la victoire, un équilibre certain. Peut-être aussi que pour certains qui attendaient des décisions de justice au niveau Sagittaire, là, on me dit qu'il y a peut-être des paroles, des discussions. Il y a une évolution sur la situation et on vous parle d'un triomphe hein, avec cette victoire. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se décante hein, pour aller vers de nouveaux projets, vers quelque chose de mieux. Vous êtes battu, vous avez lutté, vous obtiendrez. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des mondes. L'oracle du monde, pardon. Allez, et ouais, on trouve des solutions, on trouve la clé à ces problèmes, on garde espoir, on a la foi, on veut vraiment avancer et on ne se laisse pas faire par les gens qui essayent de nous mentir, qui essayent de nous déstabiliser. On accorde aussi peut-être certains pardons ou on est pardonné pour avoir commis certaines erreurs, certaines fautes. On sent que sur votre semaine, ça va vraiment être mis à l'épreuve. Hein. Ouais, alors c'est marrant parce que deux fois on a cette carte des enfants. Elle est ici et ici, cette carte des enfants. On sent qu'il y a des nouveaux projets, l'envie d'aller, l'envie de alors peut-être de pardonner à un enfant, hein, d'accord, pour faire de la lumière, pour aller l'évolution deux fois aussi. Hein. On est dans l'idée d'évoluer, de comprendre un enfant ou de comprendre son enfant intérieur, de se pardonner à soi-même certaines erreurs, d'accord, d'accorder le pardon à quelqu'un qui vous a menti, aussi de garder espoir, de trouver des solutions pour pouvoir pardonner tout en essayant de discuter, de parler, on évolue. On comprend aussi que cette personne a peut-être dit des choses pour essayer de justement de pas vous blesser et que c'était pas intentionnel, hein, d'accord? On est peut-être dans ça. Allez, on va aller regarder. Oh, bah, décidément... Bon, alors elle est sortie, je vais la prendre. On ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face face à une situation, on trouve des solutions. C'est terminé d'être instable, on va vraiment vers quelque chose qui a plus de sens. C'est marrant, on a le mensonge et on a la carte de la méchanceté ici. Mais on voit qu'on coupe avec cette méchanceté. Par rapport à son fort intérieur, on ouvre les yeux sur une situation, on sait que ça ne peut plus durer, donc on coupe, on tranche avec les conflits. Si, encore une fois, hein, s'il y avait des décisions de justice en attente, ça y est, ça va être tranché, ça va être décidé. Hein. Ouais, on voit. Hein. Il y a quelque chose rapidement qui arrive vers vous. Il y a peut-être un conflit qui arrive vers vous parce que
En fait, vous prenez votre place de leader, votre place de chef, et pour le coup, vous ouvrez les yeux que vous êtes capable de le faire, d'accord ? De prendre ce rôle de leadership. Et j'ai la sensation que ça va créer des tensions, ça va créer des problèmes, de la jalousie, des gens méchants, on va essayer de vous mettre le mauvais œil, et pour le coup, ces gens-là, vous allez les pardonner, parce que vous allez avoir une espèce de... Comment je pourrais dire ? C'est comme si vous aviez appris la sagesse, d'accord ? Avec l'enfant, on est peut-être dans ça. Vous avez tellement canalisé votre enfant intérieur que vous êtes dans la sagesse et vous pardonnez à ces gens-là. Vous les laissez sur le côté, vous en tenez même pas compte en fait. Vous coupez avec la jalousie, avec les mensonges. Vous coupez, vous allez vous défendre aussi par rapport à certains conflits. Mais j'ai l'impression que vous allez vous défendre, mais tout en spiritualité, tout en douceur. Ok, t'es pas d'accord avec moi ? Bah, sors de là. Et de toute façon, la semaine prochaine, on n'écoute que vous. Vous allez de l'avant, vous demandez, vous avez. Donc, la semaine prochaine, on vous suit, vous êtes un leader, d'accord ? Donc, tous les gens qui vous jalousent, qui sont méchants, et de toute façon, ça attire, de toute façon. Quand on est dans cette énergie-là, de pulsion, de propulsion, forcément, ça attire la jalousie, ça attire les méchants, ça attire les mensonges. Mais on voit que vous gardez la foi, vous trouvez les solutions, hein. Vous arrivez un petit peu à schématiser les choses et à recadrer, à vous dire, bon bah voilà, non ça, ça peut pas aller, je m'en éloigne, tout simplement. C'est ça en fait, c'est, vous allez même pas vous prendre la tête, vous allez vous en éloigner, couper court aux choses et voilà. Par contre, à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte de certaines situations qui ne sont plus possibles. Et c'est marrant parce que si vous regardez la maison avec ici l'œil fermé et la jalousie, c'est comme si on voyait le visage et comme si ça venait nous faire un clin d'œil. L'œil fermé, l'œil ouvert, c'est comme si ça venait nous faire un petit clin d'œil de l'univers et que ça venait vous dire gardez la foi. Il faut juste parler, il faut juste discuter, il faut imposer votre point de vue, en tout cas l'exprimer. Hein, ça va être important pour vous mes chers Sagittaires. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental ou relationnel un petit peu comment ça se passe. Il me semble que pour cette semaine, c'était pas folichon, mais on va aller voir si c'est un petit peu mieux. Mais en tout cas, vous avez un très beau tirage, hein. Un tirage d'espoir, un tirage où vous reprenez du poil de la bête. Hein. On voit les Sagittaires là que ça va être quand même une belle semaine. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires, le domaine sentimental et relationnel, vers quoi on va ? Ah, déjà, regardez ce qui sort. La magie, l'envoûtement. C'est magique. Allez, une belle rencontre. Ou alors peut-être que dans les couples aussi, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui fait du bien. Ah ben non, pas trop. Je vous explique après. On va aller voir. Il y a une petite crise, il y a du burn-out. On sait qu'il faut se faire aider. Il y a un petit coup de moins bien. Ouais. Alors, peut-être qu'on est dépendant affectif à son partenaire ou sa partenaire. Peut-être qu'on a besoin de se confier. Ouais. Bon, c'est pas mauvais, d'accord ? Il y a juste ce petit burn-out là qui me fait un petit peu... on comprend pas trop. On va aller compléter avec ma petite graine d'amour. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Le vrai amour, la flamme jumelle. Tu vois, c'est pas négatif, hein ? Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Le consultant ou la consultante, vous allez devoir faire des choix. Alors, des choix parce que, en fait, pour certains, ça fait un petit moment, pour ceux qui sont en couple, je commence, pour ceux qui sont en couple, ça fait un petit moment que les choses stagnent, d'accord ? Et on sent que c'est plan-plan et on sent que il y a toujours de l'amour, hein. Le vrai amour, il est là, la flamme jumelle, elle est là, la petite flamme, elle est là, mais elle est en train un petit peu de s'essouffler. Et là, on fait le choix de se faire aider, de réagir, d'accord ? De peut-être aussi de se faire aider par des amis ou des personnes proches parce qu'on a tendance à se réfugier peut-être dans une addiction. Alors, ça peut être l'alcool, ça peut être la dépendance affective. Je vais juste aller rajouter une carte un petit peu, mais j'ai l'impression, en fait, c'est devenu une routine. Tu vois, quand y a une addiction, c'est quelque chose que tu peux pas te passer. Et ben en fait, t'es rentré dans ta routine et c'est un petit peu ça. Et du coup, ça devient morose. Et on te dit, il faut vraiment que tu te fasses aider, réagir, d'accord ? Ouais, alors, tu vois, concrètement, c'est l'idée de la vie de famille qui est plan-plan. On fait rien de spécial. Ça dure depuis longtemps. On est plus assez fidèle à soi-même. On n'arrive pas à retrouver sa dépendance, d'accord ? Son indépendance, pardon. On est trop dépendant d'un amour, on ne retrouve plus sa petite liberté, on n'ose plus faire des choses seules aussi, peut-être ça vient un petit peu me parler de ça. Ouais, les saisons passent, la roue des saisons arrive, mais
On a envie de plaire, on a envie de se faire séduire, on a envie qu'il y ait un petit truc, on a envie voilà, que le partenaire ou la partenaire mette un petit grain de folie, on a envie d'inattendu, de... En fait, on a, bon, tu vois, parce que je vois quand même la réconciliation, donc on sent surtout, et honnêtement, que dans le couple, il y a besoin d'un nouveau souffle, voilà. Et peut-être que c'est ça, en fait, ta place de leader. C'est, tu vas t'imposer, tu vas dire, écoute, moi, j'ai vraiment envie que tu me surprennes, j'ai envie que tu me reséduises, j'ai envie que... Voilà, ça va être ça, en fait, pour les couples sagittaires. Bon, pour les célibataires, là, on pourrait éventuellement faire une belle rencontre, d'accord ? Quelque chose qui est d'attrait à un amour inconditionnel, un vrai amour, d'accord ? Mais il y a un choix à faire, parce que... On est, pour les célibataires, peut-être dépendant ou dépendante, d'accord, d'une ancienne relation, d'accord. Parce qu'on a quand même en crise, en burn-out, ok. Et puis, il y a cette meilleure amie ou ce meilleur ami, là, le confidente. Peut-être que on a du mal, ouais, on a du mal un petit peu à se confier à ses amis, j'ai l'impression. Parce qu'on est tout feu, tout flamme, et puis qu'on s'emballe vite, et qu'on a encore des douleurs du passé qui ne sont pas réglées. Et il va falloir faire des choix, il va falloir sortir de ça, se laisser aider par des personnes. La semaine prochaine, vous risquez de faire quand même une très très belle rencontre, là, les Sagittaires. Donc vraiment, ne vous obstinez pas à rester ancré dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, dans quelque chose qui vous a apporté du burn-out, ok? Et il faut vraiment se faire aider, vous laissez votre meilleur ami, laissez vos confidents, laissez les personnes... qui pourrait vous aider à avancer, d'accord, tout simplement, à vous laisser diriger par ces personnes, en tout cas pas diriger, mais en tout cas, laissez-les vous aider, d'accord, et puis aller vers cette relation, ça pourrait être vraiment quelque chose de très très beau hein, pour vous les Sagittaires, vraiment. C'est vraiment une personne qui va arriver soudainement comme un coup de foot, c'est quelqu'un qui arrive après plusieurs mois de célibat, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose, ça fait depuis longtemps que vous êtes dépendant à une ancienne relation ou vous enchaînez les relations malsaines ou des choses comme ça parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul, en tout cas c'est ce que ça vient me dire. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et bien sûr on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.